Alors, ça c'est la dernière étape, très très courte, hein. De nuit, et j'aime bien aussi, c'est sympa, c'est joli, on y va. On va essayer de voir, démarrer tout de suite. On voit pas une vue où on peut voir le volant. Si, on voit là. Pas une histoire de zoom. Faut un peu se battre, j'avoue, hein. C'est des séries de virages qui s'enchaînent là. Gauche 3, droite 2, gauche 3, droite 2, droite 1. J'aurais dû me filmer pendant que je faisais la course, avant le replay, parce que on voit l'agitation qu'il y a. Il n'est pas aussi rendu que ça dans l'interface quand on la voit comme ça. Ouais, on peut le revoir d'un autre endroit. Comme ça, peut-être. Dans le replay, on n'entend pas aussi tout le débit du copilote qui annonce toutes les courbes, hein, du terrain. Les cordes, les pas cordes, et attention. Ça dépote quand même. Et au moment où il y a un fond de cinquième, on peut pas aller plus et t'as un rupteur, quoi. Là par exemple sur cette longueur là est un rupteur et puis après il faut réussir à négocier le virage 2 juste après, quoi. Et ça c'est le rallye, ça. Ça n'a rien à voir avec les pistes où on tourne sans arrêt pendant des dizaines et des dizaines de tours toujours au même endroit. Les rallyes, enfin on peut les refaire, hein, mais c'est un peu la surprise et à l'écoute de du débit du copilote, quoi. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est comprendre ce qu'il dit au fur et à mesure et puis bah c'est ça qui est rigolo à essayer de faire. Thank you.
Bon, voilà. Bonne soirée.